Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui les amis. Oh, un nouveau clicker, j'ai nommé Dodge Miner. Et vous le voyez, c'est un clicker, il y a un même, le même Dodge. Et j'ai appris pas mal de conneries avec ça. On a des petites upgrades qui sont des esclaves qui vont miner pour nous, parce que les esclaves ça mine pour nous, c'est logique. Et notre but va être d'aller sur la lune, mais ça coûte très très cher. Once Master Miner, search coin. Et donc, évidemment, avant de jouer à ce jeu, je me suis renseigné. J'ai fait, je vais faire des recherches. Oh, j'ai plein d'esclaves, Dodge. Alors, qu'est-ce que ce truc, ce même, d'où ça vient, tout ça, tout ça? Bon, déjà, le chien, c'est un Shiba. C'est un même qui a buzzé en 2013. Il a même été élu meilleur même de l'année. Mais le truc le plus ouf, mais vraiment le plus ouf, c'est qu'il y a une vraie monnaie électronique qui s'appelle le Dogecoin. Et on est en train de la miner, c'est pour ça qu'on a un Dodge Miner. Et cette monnaie électronique, c'est le même type que des bitcoins, quoi. Tranquillement, les mecs avec un meme, ils ont fait une monnaie électronique. Voilà, ça m'avait choqué, je tenais à vous le dire. Il fallait que ce soit dit, il fallait que ce soit diffusé. Ok, je suis en train de travailler sur mon armée, elle va être génialissime, ils seront 200 millions. Oh, 200 millions! Donc là, c'est le store, mais on a aussi le côté upgrade quand même. Attention, je spam clip comme un mongol. Il y a quoi dans les upgrades? Eh, écoute, 500 cet upgrade là. Ok, je vais continuer à acheter des esclaves, ça me paraît très bien pour commencer. Ce qui est vraiment salaud quand même sur ce jeu, hein, c'est que les prix des esclaves évoluent. Regardez, là, il coûte 770, pardon, et là, il coûte 77. Donc il va coûter de plus en plus cher et nous faire de plus en plus chier, donc ne pas être spammable. Sinon, on aurait pu avoir genre 2000 chiens ici, là, tranquillement, en mode « Ouais, salut, nous, on est là pour se reposer tranquillement, MDR. » Ça aurait été trop bien, un milliard de chiens qui te regardent comme ça avec amour et passion. Bon, il nous faut 400 pour avoir les Dodge Cunners, qui ont l'air d'être des Dodge bien plus puissants, qui produisent bien plus de Dodge par seconde, de Dodge Coins par seconde. Oh, on l'a débloqué! On l'a débloqué, s'il vous plaît, prenez-le, prenez-le! Ok, ce nouveau truc, ça a l'air de produire plus. Et ben, on va espérer que ça produise plus. Oh, je peux faire surélever tous les mecs un à un. Waouh, waouh, lui. Et toi, Jean-Marc. Et toi, Emeric. Et c'est un clic droit. Oui, j'ai fait un clic droit. Et alors, ce sont des choses qui arrivent. Allez, vraisemblablement, on est en train de spammer le gros truc. On essaie d'en avoir le plus possible. Et je clique, et pour une fois, je clique avec de la musique. C'est plus le clicker Minecraft. D'ailleurs, l'épisode 5 est sorti ce matin. N'hésitez pas à aller le mater. Mais non, il y a de la musique, il y a du bruit. T'entends le bruit de ce que t'es en train de miner, mon dieu, je veux farmer. C'est hyper addictif en plus, vu qu'il y a des Amaze, wow, Dodge Miner, Tencent Dog, partout sur l'écran. T'es to the moon, t'es obligé d'être motivé, t'es obligé de regarder partout, bordel de merde. Allez, vas-y, on va faire péter le nouveau truc. Oui, c'est mon amour, c'est le plus beau. Donc le but évidemment, hein, c'est d'avoir le plus d'esclaves possible. Regardez, tout seul, voilà, ça monte tranquillement. Allez, vas-y, monte à 127, oui, très bien. Je peux acheter le suivant, vas-y, tranquille. Fais ta vie, monte, vas-y, évolue, je t'en prie, évolue. Vas-y. Oh! Ok, ça devient sérieux, là, on va devoir changer de pioche. Bim, j'ai upgrade la pioche. J'ai une plus grosse pioche. Et la prochaine upgrade coûte 120 000. Ah oui, mais il y a celle-ci à 1800, celle-ci à 2400. Ah d'accord, c'est juste que j'ai remplacé l'upgrade de pioche et qu'on pourra avoir des pioches de plus en plus puissantes. Mais si je veux une autre upgrade, je peux... je peux remplacer mon chapeau par un Fedora pour 1800 chiens. Oh putain, il faut de Dogecoin là, il faut que je farm. Il faut 1800 Dogecoin, je suis désolé, mais c'est important, c'est pour le travail. Oh! Je clique dessus. Oui, j'ai eu des bonus, j'ai eu 40% de bonus. Mon dieu, ma vie est géniale. Ma vie est géniale, ne me tuez pas, s'il vous plaît, me tuez pas. Oh, je vais atteindre les 1800. Oh, je vais atteindre les 1800, attention, ça va être le meilleur moment de ma vie. Zblu. Zblu. Oh, mon dieu. Oh là là, ils ont des Fedora. Oh là 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 là. C'est trop bien. Attendez, nos esclaves vont maintenant avoir plus de trucs. Là, les mecs qui sont dans des paquets cadeaux, là, bim, plus de pioches. Oui, vous allez faire plus de dégâts. Bon, il faut revenir aux choses sérieuses, hein, évidemment, les upgrades, c'est important et c'est stylé. Mais il faut aller acheter des esclaves. Alors, qu'est-ce qu'on va acheter? On va acheter, évidemment, ça. Voilà, pas mal. C'est plutôt correct.
c'est plutôt à pas piquer des hannetons, on va arrondir à 30 puisqu'on est maniaque, évidemment. Mais non, c'est plutôt stylé. Oh, je peux déjà racheter lui. Ah non, mais mon argent commence à monter beaucoup trop vite. Bon, les prix montent aussi beaucoup trop vite, mais mon argent monte très vite. Donc on va atteindre cette putain de lune, bordel de merde. Ok. Wow. Oh, 50% bonus. Ça m'a surpris. On a débloqué le kitten to post cute videos on the internet for Dogecoin. Donc on a des petits chats qui postent des vidéos sur internet pour nous faire gagner des Dogecoin. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Hein. Vous voyez de toute façon ce petit chat est près de sa liasse de Dogecoin hein, qui est là genre money money bitches. Il me faut plus d'habits chats pour faire plus de money money bitches bitches. Hein. Et je ne fais que le citer ici évidemment, vous vous en doutez. Ok, on s'est fait un gros porte-monnaie les amis. Un porte-monnaie qui fait bien plaisir. On a presque 15 000. Donc on va acheter un comme ça. Un deuxième comme... Ah ouais, mais on est ruiné en fait. Le mec est un peu con, c'est genre... Ouais, alors je vais prendre deux trucs qui coûtent quasiment 15 000. Deux. Et puis après, je verrai ce que je peux acheter. Oh, la vie est bien, la vie est drôle. Oh, la vie est géniale. Attends, mais il va y en avoir tellement à l'écran. Oh, j'ai trop envie de spammer ceux-là. C'est peut-être pas les plus rentables, mais si on a plein à l'écran, c'est rigolo. C'est rigolo. Pardon. Oui, je peux pas résister à celui d'à côté. Je suis un homme faible. Ah, petit bonus, on a un plus 50% bonus. J'étais en train d'acheter des petites upgrades tranquillement. Quand soudain, il est arrivé. Ce qui fait que par seconde, on a 298,5 coins. Dogecoins, pardon. Et si j'arrête de cliquer, le chiffre ne baisse pas très bien. Donc c'est les bonus pas liés à moi, c'est ça? C'est ça l'histoire? C'est ça... Ouais, non, j'en sais rien. J'en sais strictement rien, mais je clique, vous savez. Moi, je suis pas quelqu'un de difficile. On en a 47 à chaque fois qu'on clique. Est-ce qu'on va... Non, on va pas monter aux 100 000. Non, parce qu'il y a une Space Rocket pour 100 000. Je vous avoue que c'est tentant. Je vous avoue que c'est tentant, mais monter à 100 000, c'est pas ce qu'il y a de plus simple non plus. Hein. Je veux dire, et quitte à monter à 100 000, je monterai à 120 000 pour des upgrades. Je rentre spam clic, je joue toute ma vie sur ces clics. Ok, donc, on va acheter ça. Ça. Ouais, là j'hésite, hein, je fais des achats réfléchis, analysés, tout ça. Et surtout, j'ai augmenté mes dégâts quand je pioche. Ah, j'ai plus le plus 50%. Ah, je me suis rappelé quand même qu'on avait l'upgrade à 25 000 qui m'avait l'air assez importante. Vu qu'elle augmente les Dogecoin Income by 5%, donc 5% de profit en plus. On va prendre ça, faut économiser 25 000. Bon, on va le faire sous peu, on est à 18 000, donc ça va pas être très très long à récupérer, du moins je l'espère. Et voilà, on y est, 25 000, et bim, les profits ont été augmentés, maintenant ça coûte 650 000. Mais c'est pour un 15%, c'est pas dégueu, mais ça va coûter bien cher. Par contre, nos profits ont augmenté, donc on gagne de l'argent vite, donc on peut aller le dépenser très bien. Alors on remarquera quand même que le prix de ces trucs-là, attendez, question de temps... Attendez, je vais même le rendre vrai, ce que j'ai envie de dire. Hop là, ces chiens-là valent plus cher que ces trucs-là désormais. En même temps, j'en ai 55 alors que j'en ai que 20 de l'autre. Mais on a bien farmé. On a bien farmé, c'est plutôt propre, c'est plutôt correct. Normalement, t'es pas censé dépasser le prix de l'autre. Voilà, là, on est reparti à l'équilibre. Ah, on a enfin assez pour prendre un nouveau chat. Oui. Quoi, il est où le chat? Attends, j'en ai 7, il est où le 7ème chat, là? Wow, le jeu. Wow, le jeu. Alors là, ça va genre juste pas bien se passer. Vous avez caché un de mes chats? Non, parce que moi, je vais en recommander un chat et il a intérêt, je dis bien, intérêt à apparaître à l'écran, sinon je vais être vénère. Il faut que vous soyez conscient de ça, je vais vous péter la gueule. Donc, on va se calmer, on va monter 11 698, ce qui est bientôt le cas, voilà. Et là, vous allez faire apparaître mon chat. Bande de merde. Ils sont où mes chats? Non, mais je déconne vraiment pas avec ça, ils sont où mes chats? C'est quelque chose d'important pour moi. Vous êtes pas drôle, pas drôle du tout. Je vais prendre des upgrades au pif et vous allez retrouver mes chats. Ok les amis, là on déconne plus, on va essayer d'aller sur la lune. On a 27 000 Dogecoin, il va nous en falloir 100 000 pour aller sur la lune et trouver plus de Dogecoin. Ça, il faudra faire une base sur la lune et une time machine. Bon, ça c'est des choses qui arrivent, mais en tout cas on va essayer d'aller sur la lune. Donc on va essayer de prendre cette fusée à 100 000. Allez, on farm. Tiens, on a 98 000, 99 000, 100 000, acheté. Allez, va sur la lune. Oh, ça m'a fait un bon gros profit. Là, vous le voyez sur mes Dogecoin par seconde.
ça a pas mal augmenté les stats, donc on va se faire beaucoup plus de pognon désormais. Et évidemment, les Space Rockets ont augmenté de pognon. Alors, pourquoi je voulais aussi envoyer cette truc sur la Lune? Pour une raison très simple, c'est qu'on a Location Earth, Target Moon, Launch Status 0%. Donc j'essaye de voir comment on fait évoluer le Launch Status. Et je me suis dit que peut-être que une Space Rocket, ça aiderait. Mais il faut peut-être la Moon Base à 1 million. Mais 1 million, c'est beaucoup. 1 million, ça coûte quand même vachement cher. Surtout quand les chats n'apparaissent plus. Regardez, le 10e chat, on s'en bat les couilles. Non, on s'en bat littéralement les couilles maintenant. Le jeu ne me respecte plus. Ce sont des choses qui peuvent arriver dans certaines conditions très précises. Et il faut croire que ces conditions se sont réunies. Côté upgrade. Oh, côté upgrade, on en a débloqué une à 80 000 Dodge. Upgrade the kitten webcam to HD. Ok, je veux ce truc. Je veux ce truc, c'est mort, je le veux. Ah, on atteint quasiment les 80 000, les amis. Oh, j'ai miné pendant tellement longtemps. Ok, donc on a 498,4 Dogecoin par seconde. On a 10 mecs. Ouais, on a 10 mecs. Et on monte à 823 par seconde. Alors, ok, je comptais essayer de compter à peu près combien ça va apporter par mec et tout, machin. Je vais pas compter, ça a apporté en gros une quarantaine par gars. Mais ça a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais pas si ça a vraiment modifié quelque chose lié à ça. J'en sais rien. Je sais pas exactement d'où ça vient cette progression, mais c'est une belle grosse progression qui est arrivée très très vite. Et ça fait plaisir si on met un nouveau chat, est-ce qu'il augmente de beaucoup? Il augmente d'énormément, les amis, c'est très très rentable les chats. Alors que si on met ça, voilà quoi, on n'a pas le même délire, on n'a pas la même cadence. Alors voyons voir ce qu'on pourrait espérer désormais. On pourrait espérer soit reprendre une Space Rocket, possible. Soit acheter ça, possible. Ouais, ça c'était très possible aussi. Soit prendre une upgrade. Parmi les upgrades, je vous avoue qu'il y en a une qui me tente pas mal, mais qui coûte vachement cher. C'est celle qui a 210 000 pour repeindre le truc. Je trouve ça vachement drôle. Je pense qu'on va faire ça. Je pense que je vais mourir et perdre mes doigts là-dessus, mais je vais farmer ça. Allez, à tout de suite. Ah, on a débloqué les premières upgrades, mais c'est évidemment pas celle qui nous intéresse. Elle coûte que 120 000. Nous, on veut celle à 210 000, bordel de merde. Parce que repeindre les quenelles de canals, c'est pas exactement la traduction, hein, mais les quenelles, c'est eux, voilà, eux là. Pour leur bonheur, c'est quelque chose qui me paraît être très intéressant, hein, si je puis me permettre. Oh, on l'a débloqué, c'est trop bien, attention, on va aller l'acheter. Ah, je clique machinalement, là, j'ai l'automatisme du clic, mais attention. Bim, ils sont rouges, et on est passé de un peu moins de 1000, on était à 978, quelque chose comme ça, par là, j'en sais pas exactement grand-chose, à 1825, motherfuckers. Donc ça farme bien sa race, ça farme bien comme il faut. Je veux dire que ça va vite. Ça va vite. Alors attendez, maintenant on va essayer de monter à 2000. Alors pour monter à 2000, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, on a 2000. Ça va pas mal augmenter aussi, je pense. Ouais. Et tac, tac. Ok, très bien. Les amis, on va essayer de se faire une dernière petite upgrade parce que, bon, je vous avoue que j'avais envie d'arrêter. Mais là, je peux pas résister. Je suis complètement accro. Je sais pas si vous voudrez une autre vidéo dessus, donc il faut que je rentabilise à bord. Mais si vous voulez une vidéo, n'oubliez pas, mettez un gros pouce en l'air. Ça ferait très plaisir, ça m'aide, c'est cool. Bref, on continue, on veut notre upgrade. Ah, ça y est, on a passé l'upgrade. Les amis, on va prendre la Golden Pickaxe qui va remplacer la Pickaxe de petit chien. Et voilà, on a augmenté leur profit à eux aussi. Maintenant, il reste une personne dont on n'a pas augmenté le profit, mais qui commence à se faire pas mal de pognon grâce à tous ses esclaves, c'est moi. Oui, c'est moi, je suis désolé, on a 354 à chaque fois que je ponce. Et dès qu'on va atteindre les 120 000, c'est-à-dire très très bientôt, je vais changer de PKX moi aussi, et je vais être plus puissant. Oh, elle est ignoble cette PKX. On a augmenté de 100 à chaque clic ce qu'on obtient, donc c'est quelque chose de ma foi fort sympathique. Et on est bon? Allez, on va se faire un petit kiff les amis avant de se laisser, on va se dire à la prochaine, mais on va acheter une Space Rocket. Est-ce que vous en voulez plus? C'est à vous de me le dire en mettant des pouces en l'air les amis. C'est vous qui allez tout me dire, je jouerai peut-être entre temps, je jouerai peut-être pas, c'est vous qui décidez dans les commentaires. Peut-être qu'il y aura une autre vidéo, peut-être qu'il n'y en aura pas. On se laisse, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur ce jeu ou un autre. C'était Hamster Bleacher. Oh yeah. Bye bye! Troisième fusée!